Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Si, la cuisine. Oui, c'est très joli. C'est bon, très ça vous plaît? Oui, c'est très bien. Je vais mettre la table ici. Ben, je vais vous raconter un peu mon aventure au niveau des meilleurs vins de France. Si je le vois de beau, comme d'habitude, je la connais comme d'habitude. Si, si. Vous avez fait que le vin, hein? Voilà. Oui, d'accord. Et vous faites 3 pâtés pour 6. C'est bon? Oui. Allez. Et je vous dirai quand est-ce qu'il faudra envoyer. Merci. Bien. Un moment. Moi, quand j'ai eu le concours, ça a été vraiment une émotion extrêmement forte au niveau professionnel, puisque c'est quand même un titre qui a été, qui est toujours reconnu dans le monde entier. On est bien assez fiers de l'avoir, parce que tous les jours, on porte le drapeau français, vous voyez, le bleu, le blanc et le rouge. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient du jour au lendemain. C'est vraiment des années de travail, de réflexion. Un jour, quand on est suffisamment mûr pour voir si ses connaissances, ben on s'inscrit. Et depuis donc 2004, depuis l'obtention, j'ai repris le restaurant d'Alain et Louise, qui aujourd'hui, on en est tous fiers, puisque la maison travaille bien grâce à mon personnel de salle, de cuisine, qui sont toujours présents, qui me suivent. Et pas de maison évidente, j'ai eu le plaisir d'être nommé. Champion du monde du pâté au foot en 2010 et également dans la même année, donc j'ai été élu meilleur chef de la ville de Lyon et de Rhône. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie et j'espère à très bientôt dans mon restaurant d'Alain et Louise.